Bonjour Ricardo. DMZ connaît un très grand succès en France. Pourtant, en tant qu'artiste, vous êtes assez peu connu dans notre pays. Aussi bien avant de devenir le dessinateur de DMZ, comment êtes-vous arrivé dans le monde du comics? Quel est votre parcours professionnel? Prima di DMZ c'è molto poco per me nella vita professionale, cioè parlando di fumetti. Io ho iniziato in Italia a fare fumetti e ho fatto 3 albi per una casa editrice che si chiama Euro Editoriale su un loro personaggio e da lì sono stato notato subito dagli editor della Vertigo e praticamente dopo appena un paio d'anni di lavoro su questi fumetti sono subito partito nel grande mercato mondiale americano con DMZ. È stato tutto molto veloce. En fait, donc, il explique qu'avant DMZ, il a fait quelques BD. Il a fait quelques BD en Italie pour une maison d'édition. Il travaillait sur ses personnages. Et ensuite, il a été repéré par Vertigo. Et à partir de là, ça allait très très vite. Il a travaillé pour le marché mondial, le marché américain, avec DMZ. Dans DMZ, votre dessin est très street art. Très punk, ce qui renforce l'ambiance apocalyptique de l'univers de DMZ. Pensez-vous que ce style graphique très urbain, très moderne, explique en partie le succès de la série? Io penso che il successo di DMZ sia nella storia che ha raccontato, cioè questa storia. C'est l'histoire en elle-même hein, qui a fait le succès, qui fait pardon le succès de DMZ. Perché è una storia, è un racconto molto critico nei confronti della società e della politica americana ed è stato fatto in un momento in cui la gente ha recepito, era pronta a recepire questo tipo di messaggio, quindi è stato tutto molto facilitato da questa situazione. DMZ en fait est arrivé à un moment où la population américaine était prête à entendre un discours qui était assez virulent envers la politique américaine, envers la société américaine. Et c'était le bon moment pour faire DMZ, et c'est ce qui, selon lui, fait le succès de ce titre. C'est vraiment très très critique envers la société, envers la politique, envers la vie en fait américaine. Et comment vous avez rencontré donc Brian Wood? Est-ce que c'est lui qui est venu vous chercher ou est-ce que c'est les éditeurs qui vous ont proposé à Brian Wood? Siamo stati messi in contatto dal nostro editor. Io sono stato ingaggiato, diciamo, dall'editor della Vertigo che si chiama Will Dennis, che aveva il progetto di Brian in approvazione quando mi ha proposto il progetto. Dopo ho conosciuto Brian, però è stato un progetto messo insieme dal nostro editor che è Will Dennis. Donc c'est Will Dennis, un éditeur de Vertigo, qui les a mis en contact. En fait, ce projet était déjà arrêté, déjà pensé, donc avec Brian Wood. Et en fait, ils ont pensé à Ricardo, mais c'est l'éditeur qui les a assemblés, les a fait connaître. Et donc parlons un peu plus de la série DMZ. Comment avez-vous créé le character design des personnages principaux comme Matthew Roth ou Z? Allora, innanzitutto i personaggi erano molto ben descritti da Brian, non fisicamente, ma nel carattere che dovevano poi rappresentare una volta disegnati. Io mi sono ispirato per Z, e dunque in quel periodo avevo visto un film, non mi ricordo, coreano di fantascienza, dove c'era questa ragazza che aveva dread in testa e mi aveva, insomma, incuriosito come aspetto femminile, perché era molto femminile anche se era molto pratica, cioè una ragazza da guerra, no? Che si muoveva in un ambiente di guerra. E per Matthew Roth praticamente sono io con 80 kg di meno, cioè sono quello che ero io a 20 anni, l'età di Matthew Roth, cioè un ragazzo che è appena uscito dall'adolescenza e sta per diventare un uomo. Donc pour Matthew, en fait, c'est Ricardo avec 80 kilos en moins, dit-il. Il s'est inspiré de lui de lorsqu'il avait 20 ans. Et pour le personnage féminin, il avait vu un film de science-fiction coréenne.
Et oui, ça existe. Et donc, il s'est inspiré de ce personnage qui était à l'été très combatif. Il s'en est vraiment inspiré. Pour le reste, dit que de toute façon, l'auteur est vraiment très très clair dans ce qu'il veut, pas tellement au niveau physique, mais dans l'histoire, dans ce qui est psychologique. Donc ça l'a beaucoup beaucoup aidé. C'est plus au niveau physique qu'il a dû travailler en s'inspirant de lui et de ce personnage coréen. Brian Wood est donc un auteur exigeant, qui sait ce qu'il veut, qui vous aiguille. Par rapport à comment vous avez travaillé avec Brian Wood? No, è una persona tranquilla. Si lavora bene con Brian, nel senso che lui scrive molto bene la storia, anche sulla sceneggiatura è puntiglioso, però non è che impone un sacco di cose o vuole per forza che vengano fatte in una certa maniera, dà molta disponibilità e libertà anche al disegnatore. Il est en fait Brian est quelqu'un de très très cool et il est hyper précis dans ce qu'il écrit, mais à côté de ça, il laisse tout à fait l'artiste s'exprimer. Donc, il a quand même une liberté de dessin qui est assez importante. Il va demander des choses très très précises, mais il va pas demander exactement que ce soit comme il se l'est représenté. Il est vraiment en osmose, on va dire, avec le dessinateur. Il va vraiment lui laisser une certaine liberté. Le personnage de John Doe, que vous avez fait donc pour les faux métiers en Italie, et celui de Matthew Roth se ressemblent un peu. Ce sont des héros malgré eux. Est-ce que vous aimez bien ce type de personnage? Sì, questo tipo di personaggi mi piace perché John Doe è un classico della tradizione italiana. In Italia ci sono un sacco di anti-eroi più che di eroi, no? O di supereroi. E quindi, essendo cresciuto anche con un sacco di fumetti italiani, poi quando è arrivato DMZ mi sono trovato subito anche a mio agio con quel tipo di character, di personaggio. E sì, comunque mi piace. Oui, dans la tradition italienne, ce personnage est assez récurrent et c'est quelque chose qu'il apprécie vraiment. Donc, quand il a fait DMZ, c'était un peu évident. Donc, la série DMZ est bientôt terminée aux États-Unis. Alors, quels sont vos meilleurs souvenirs ou anecdotes que vous avez de la série? DMZ è il fumetto che mi ha reso, diciamo, famoso nel mondo dei comics, quindi come prima cosa c'è quello. Io alla fine... Ma c'è un momento particolare che ti è piaciuto di più? Un evento? No, è proprio è la totalità dell'evento che rimarrà particolare, nel senso, cioè il momento è stato la prima volta quando ho ricevuto la mail da Will Dennis che mi ha fatto la proposta. Però è l'esperienza nella totalità che poi rimarrà memorabile, perché io ho iniziato a fare fumetti molto tardi, cioè avevo 29 anni, e è successo tutto talmente alla svelta che insomma mi sono ritrovato subito a firmare come coautore una testata per una major americana. È l'esperienza che è memorabile, non c'è un evento in particolare. En fait, c'est l'expérience en entier qui est vraiment mémorable pour lui, qui est le meilleur souvenir, puisqu'il avait 29 ans quand il a commencé. Il a commencé avec une série qui marchait très très bien, c'est ce qu'il retient le mieux, c'est ce qui lui a permis de rentrer dans le monde du comics, de se faire connaître, d'avoir un nom. Et il n'y a pas un moment en particulier. Il dit que finalement, le moment qui peut-être pourrait vraiment sortir un peu du lot, c'est lorsqu'il a reçu ce mail où on lui faisait cette proposition. Mais après, c'est toute l'expérience qui a été vraiment magnifique et qu'il ne pourra jamais oublier, parce que c'est sa première fois, sa première BD. Forse posso completare, can I complete the answer? La cosa veramente che mi lascerà segnato è che io in DMZ ho veramente creato un mondo mio, sia a livello grafico che anche insomma a livello di contenuti.
E questa cosa, bene o male, è entrata nella vita di chi l'ha letto. Quindi, cioè, l'esperienza veramente grande è quella di aver dato vita a un mondo che prima non c'era, capito? E che dopo rimarrà, l'hai fatto te. E questa è l'esperienza, forse. En fait, finalement, après réflexion, l'expérience peut-être qui la plus marquante, c'est que finalement, il a créé un monde à lui, son monde, le monde dont il rêvait, d'un monde qui lui appartient. Et ce monde-là, il le fait partager à tout le monde. Et quand on lit DMZ, on peut rentrer dans ce monde, dans cet univers particulier. Et c'est quelque chose de marquant, puisque c'est un monde qui est créé par Burchielli. Quand on y pensera, on pensera à Ricardo, et c'est lui qui invite un peu les personnes à rentrer dedans, et tout le monde peut s'y sentir à l'aise finalement. Une dernière question, travaillez-vous, est-ce que vous avez des projets après DMZ, ou est-ce que vous pensez prendre des petites vacances? Non, vacances non, parce que je dois payer le mutuo. Nel mercato americano ancora non c'è nulla, nel senso che ci sono delle cose ma che non sono state ancora fissate. Sto facendo anche altre cose ultimamente parallele a DMZ, che sono delle cose in Francia per la Soleil, in Italia una storia breve per Dylan Dog della Bonelli, però ecco, diciamo che sono sempre concentrato lì. Alla fine vorrei rimanere nel mercato americano e poi fare anche altro, ma in parallelo sempre. Alors les vacances, il pense à quand il aura failli de payer son crédit. Et en attendant, alors en parallèle de DMZ, il a des projets français, enfin il travaille sur certains projets avec Soleil, avec Bonelli en Italie. Mais c'est vrai que son grand rêve, c'est de rester sur le marché américain, il espère sincèrement. On lui a fait des propositions, il attend que ça se concrétise. Pour l'instant, il finit DMZ et attend de voir venir. Mais son grand souhait, c'est de rester sur le marché américain. Merci beaucoup Ricardo, et j'espère très vite vous lire sur d'autres séries américaines ou françaises ou européennes. J'espère vederti fra poco su altre serie francese o americane. Ok, sure, thank you. Et la radio émet uniquement sur Strasbourg, mais pour la chronique du New Démarre, on a fait un blog sur lequel D'accord. on met nos interviews et nos chroniques hebdomadaires. D'accord. Voilà, comme ça permet d'avoir une plus large audience.